Tout le monde, c'est Vintage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme d'habitude, si t'es nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. Pensez également au petit pouce bleu et bien sûr, tous rentrer le code créateur FintechSBE dans la boutique #AD dans la boutique Fortnite. Voilà, ça fait juste super plaisir. En majuscule ou en minuscule, c'est la même chose. Et bien sûr, bonne vidéo. Mais comme tu peux le voir, j'offre ces cadeaux sous Fortnite. Du coup, si tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit une émote ou un skin, bah pour ça, c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, faudra juste penser au petit pouce bleu. Et bien sûr, code créateur FintechSBE dans la boutique Fortnite, c'est vraiment super important. Je te souhaite une bonne chance. Et bien sûr, on n'oublie pas de tous commenter votre pseudo Epic Games dans l'espace commentaire. Voilà, vous mettez bonne vidéo juste à côté votre pseudo Epic Games. C'était Fintech, je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, vraiment super bien. Comme vous avez vu, on se retrouve encore une fois sur Fortnite Battle Royale pour une toute nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, juste avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait juste super plaisir de tous liker cette vidéo. Simplement aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir des tickets de remboursement gratuitement sur Fortnite Battle Royale. Alors c'est pour ça que je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Première étape, vous allez vous retrouver sur le lobby de Fortnite. Une fois fait ça, vous allez retourner dans la boutique de budget. Et juste avant, je vous soutiens vraiment, n'hésitez surtout pas à tous rentrer le code créateur FintechSBE dans la boutique Fortnite. Ça fait juste super plaisir. Merci à toutes les personnes qui penseront à faire le code créateur FintechSBE dans la boutique Fortnite. Première étape du glitch, ce que vous allez faire, vous allez retourner dans vos paramètres. Une fois dans vos paramètres, cadeau opinion, là vous allez vous mettre sur nom, recevoir des cadeaux également nom. Vous allez faire le bouton appliquer et faire le bouton retour. Là, vous allez retourner dans vos paramètres. Dans envoi de demande de remboursement, là vous allez voir que vous pouvez plus faire de tickets de remboursement. Alors c'est super simple, vous allez partir dans votre casier. Là vous allez sélectionner, là vous allez désélectionner tous les emotes que vous avez, que ce soit les skins, les planners. Simplement moi j'ai sélectionné un skin que j'ai acheté dans la boutique d'objets que j'aime pas. Exemple, j'ai choisi le skin Kratos que j'ai vraiment pas aimé. Et juste à retourner dans le lobby et de partir ici dans signalement et retour. Signaler un bug, descend tout en bas, objet cosmétique, juste en haut de boutique, vous allez cocher la case. Cet objet cosmétique dégrade les performances du jeu, là vous allez cocher la case et là vous allez faire refaire la capture. Là vous allez attendre quelques secondes et là vous allez faire juste le bouton continuer et accepter. C'est vraiment super simple, envoie du signalement à Epic Games, là vous allez juste à attendre, fermer et vous allez retourner dans la boutique d'objets. Là vous allez juste à faire paramètres et tout simplement là vous allez faire vide, recevoir des cadeaux et quête d'opinion. Et là vous allez appliquer, faire le bouton retour. Vous allez retourner dans votre casier et vous allez sélectionner encore un autre skin que vous aimez pas. Exemple, je prends ce skin de Ime que j'ai pas trop aimé. Juste à encore refaire à la manipulation. Signalement et retour. Signal un bug. Objet cosmétique. Cet objet cosmétique dégrade les performances du jeu, cocher à la case et refaire la capture, attendre quelques secondes et faire le bouton continuer et accepter. Je vais encore refaire ça une fois, envoie du signalement avec un autre skin, comme ça j'obtiens 3 tickets de remboursement. Exemple, je prends le skin le majeur, je prends le skin Mara assortif, je retourne dans le lobby de Fortnite. Là, je retourne dans mes paramètres, quête d'opinion, je coche non, et reçoit des cadeaux, je coche non. Là, je fais appliquer et le bouton retour. Là, juste à faire signalement et retour. Signal un bug, descend tout en bas. Objet cosmétique. Cet objet cosmétique dégrade les performances du jeu. Là, vous avez juste à faire, cet objet cosmétique dégrade les performances du jeu. Et là, vous allez juste à faire refaire à la capture. Là, vous allez attendre quelques secondes. Et là, vous allez faire le bouton continuer et accepter. Envoie du signalement. Et là, vous allez attendre tout simplement qu'Epic Games ouvre vos tickets et vous rembourse vos 3 tickets de remboursement. Alors, simplement, ce qui est craint, c'est que ça vous retire vos skins. Alors, c'est pour ça, vraiment, c'est pour obtenir des tickets de remboursement gratuitement. Mais je pense qu'après, on peut choisir les skins ou soit les modes qu'on veut se faire rembourser. C'est vraiment super simple. Moi, je vous conseille de réactiver les options que vous avez désactivées au ressort des cadeaux et accepter. Simplement, c'était Fintex. J'espère vraiment que cette petite vidéo sur Fortnite Battle Royale vous a plu. Je vous invite à tous vous abonner à la chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Code créateur FintechSBE dans la boutique Fortnite, n'oubliez pas ça. Et bien sûr, ciao tout le monde.